on doit participer à la création d'un nouveau kit d'objets pour les Sims 4. Ils font appel à la communauté pour créer le prochain kit d'objets. Alors on va faire le test ensemble sur cette bonne vieille musique des Sims 2. On a une série de sondages pour les joueurs pour nous aider à créer ce fantastique kit d'objets. On a sélectionné 5 thèmes potentiels pour ce kit. Tout d'abord, vous classerez les caractéristiques de jeu potentielles pour chaque thème. Une fois que vous aurez lu la description de toutes les caractéristiques, vous classerez les thèmes. Le kit d'objets inclura la caractéristique de jeu qui a reçu le plus de votes. Bon, jusque là c'est logique. Caractéristique du thème. Alors là c'est science et technologie, c'est le premier type de kit d'objets qu'il nous propose. Et il va falloir classer les caractéristiques, 1 étant notre caractéristique préférée et 5 étant celle qu'on aime le moins. On a le premier, étudier l'astronomie avec un télescope portatif. Alors actuellement, pour info, on peut déjà étudier l'astronomie avec un télescope fixe. Apprenez à faire des photographies époustouflantes de galaxies lointaines, créer des cartes, des étoiles, maîtriser un assortiment de gâteaux ou viennoiseries sur le thème de l'espace. Alors moi franchement, l'astronomie, etc., j'aime beaucoup les étoiles, mais alors le télescope portatif, je sais pas trop parce qu'en fait, on en a déjà un fixe, donc bon, on va voir la suite. Étudier les fondations de la vie avec un microscope de bureau, tester des échantillons de terre, créer des sérums pour améliorer leur rendement agricole, découvrir une levure pour préparer du pain délicieux, ah ça me botte. Cultiver des levures saines pour faire des yaourts, ça aussi. Effectuer des missions en indépendant dans un laboratoire, ah ça c'est cool, franchement. Ensuite, explorer la science alimentaire avec de nouveaux appareils de cuisine. Entraînez-vous à la cuisine de précision avec un appareil de cuisson sous vide, cuisine rapide avec un autocuiseur. Déshydratez et réhydratez vos restes pour les conserver plus longtemps et créer des infusions aux saveurs uniques qui amélioreront vos recettes ou pas. Alors on peut déjà faire des genres de thé infusions. Pour ce qui est d'améliorer les recettes ou pas, ça me fait un peu penser à dans le kit lessive, on peut rajouter des plantes et tout dans la lessive et ça peut soit faire foirer notre lessive, soit la faire réussir. Bon, je sais pas si c'est si intéressant que ça. Explorer l'électricité et l'ingénierie avec des kits de sciences et technologies éducatifs. Fabriquer des appareils électroniques fonctionnels comme des chaînes Wi-Fi, des télévisions, des jeux d'arcade, des ordinateurs et même un projecteur d'hologramme. Ça c'est pas mal, c'est pour créer carrément des objets. Dans les Sims actuellement j'aime bien avec l'établi, créer les objets, genre on peut créer des WC, une baignoire, etc. etc. En vrai franchement c'est propre. Pourquoi pas? Ou alors, encourager la créativité de votre Sim avec des cubes de construction colorés, des roues, des engrenages pour créer des structures. Participer à des concours de créativité, faites travailler deux Sims ensemble pour fabriquer d'immenses créations imaginatives. Alors ça me tente pas du tout. Du coup on va faire dans le mode inverse. On va commencer par celui qui me tente le moins perso, c'est celui-ci. Je pense que celui qui me plaît le plus, j'aime bien celui-ci. Le microscope de bureau, le fait qu'on va pouvoir faire des missions en indépendant dans un laboratoire pour gagner des Sim flous, le fait qu'on puisse cuisiner des yaourts et du pain, moi je trouve ça super cool. L'astronomie, c'est vrai qu'on a déjà le télescope, mais on peut quand même faire des photographies de galaxies et créer des cartes d'étoiles, et ça c'est cool. Donc les deux là, je les aime assez bien au final. Je pense qu'on va mettre science alimentaire en premier. C'est pas mal, moi j'aime bien cuisiner dans les Sims, mais non! Énorme, c'est incroyable. Je pense que kit de science et technologie, ça me tente pas trop. J'aime pas ça, donc du coup, on va le mettre en avant-dernier. Et ensuite, je pense que je vais mettre le microscope en premier, parce qu'en fait, le fait de faire du pain et des yaourts et des missions en indépendant, je trouve ça sympa, ça fait beaucoup de mécaniques de gameplay en plus. La science alimentaire, parce que j'aime bien la cuisine et j'aime bien faire des Sims qui savent cuisiner et qui cuisinent beaucoup. En 3, on va faire l'astronomie. Et voilà, ça vous semble ok? On va valider comme ça. Ensuite, deuxième thème, prendre soin de soi. C'est parti. Premier, préparer des thés et infusion personnalisée avec des fruits et des fleurs cueillies dans le jardin ou dans le quartier. Ah mais c'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure au final, les infusions là. Créer le mélange parfait pour modifier les humeurs, améliorer la performance au travail. Ouais, pourquoi pas, devenez un pro du thé, vendez vos mélanges en ligne. Waouh, c'est ouf. Du thé, ouais. Prenez des commandes personnalisées pour créer des mélanges uniques. Mélangez des ingrédients frais du jardin et des compléments dans votre blender à smoothie. Waouh, c'est énorme. Utilisez les nouveaux légumes verts à feuilles ou les baies des arbustes inédits pour créer des smoothies très nutritifs avec une touche sucrée. Alors lui, je le passe en tout de suite. Hein. Vous pouvez également aller chercher un smoothie au stand de smoothie. Ah, c'est celui-là que je veux. Les smoothies, en vrai, je l'ai mis en 1. Montre de fitness suivra la routine quotidienne de votre Sim en calculant son nombre de pas, le nombre d'heures. Déterminez des objectifs de fitness, recevez des rapports hebdomadaires incluant les statistiques de votre Sim. Partagez ce chiffre sur l'ordinateur. Ok, alors, on a déjà un kit d'objets fitness. Et en vrai, ce kit d'objets, je m'en sers jamais. On a les écouteurs, on a plein de nouvelles machines et tout. Je m'en sers pas trop. Il y a des objets de déco qui sont pas mal. Mais moi, le sport, ceux qui me connaissent bien savent que je déteste ça. Donc, on va le mettre en dernier pour l'instant. Je fais du yoga depuis peu, mais c'est le seul truc qui s'apparente au sport et que je peux faire. Sinon, j'ai jamais fait de sport de ma vie, quoi. J'ai jamais eu des grosses capacités physiques, j'ai toujours été un peu mal à l'aise avec l'idée de faire du sport, j'ai toujours été vite essoufflée. Et en fait, j'ai eu des profs de sport en primaire qui étaient pas gentils avec moi, qui se moquaient beaucoup, etc. et qui m'aidaient pas trop. Et du coup, bah, ça a fait un peu un complexe. Et j'ai jamais réussi à passer outre et à refaire du sport. Et pourtant, on m'a beaucoup dit, oui, quand tu fais du sport, tu vas te sentir bien. Quand tu sors de là, tu te sens bien, tu te sens
apaisée. Mais en fait, ben moi, ça n'a jamais marché. Pourtant, j'ai essayé de faire du sport. J'ai fait de la danse quand j'étais petite. J'ai fait du sport de l'école. J'ai aussi fait des cours en salle de sport, genre du body combat, du body attack, de la zumba, etc. Mais je me sens juste mal. En vrai, le yoga, tu ne transpires pas. C'est pas la honte. Les personnes te jugent pas. Elles sont dans une démarche un peu bienveillante. J'entends du bruit derrière moi, ça me stresse. Personnalisez vos sims avec le nouveau trait de caractère vegan. C'est énorme. Plein de plantes, dont les pois chiches et des amandes. Et on peut préparer nos propres laits végétaux et déguster de délicieux encas préparés avec des beurres de fruits à coque fait maison. Franchement, moi parfois je fais des sims végétariens. Ça rajoute du RP, mais c'est extrêmement dur. Et si le sim végétarien mange par ailleurs de la viande, il va être pas bien, etc. Ça va être chiant. Là, le trait de caractère vegan, je pensais que ça allait être vraiment un truc chiant en plus. Mais au final, regardez ce que ça rajoute quoi. On peut faire du lait végétal. Moi j'adore le lait d'amande, même si je suis pas du tout vegan, ni végétarienne d'ailleurs. Ça rajoute beaucoup de RP aussi. Vraiment, je vais le mettre devant le thé. Du thé, ouais. Sims ayant l'aspiration vie saine s'efforce de vivre de la façon la plus saine possible. Ils reçoivent des bonus en mangeant des aliments sains et peuvent débloquer des exercices et recettes uniques. Ah, ça, c'est pas mal aussi. Ils peuvent également se lancer dans la carrière en indépendant de coach. Ah ben voilà, ça, c'est énorme. Ça rajoute un élément de gameplay de ouf. Franchement, c'est huge. Je pense que je vais le mettre au-dessus de vegan. On va laisser dans cet ordre-là. On va mettre le blender à smoothie en premier, vie saine en deuxième, même si j'ai presque envie de le mettre en premier finalement. Ouais, on va le mettre en premier et après vegan, etc. C'est parti. Alors on passe au troisième thème, technologie et divertissement. 1. Entrer dans l'univers des sports simulés avec un écran de sport high-tech qui permet à votre sim de jouer en solo à des jeux interactifs de baseball, golf, foot en profitant du confort de son salon. Jouer en ligne contre vos amis et gagner le droit de vous vanter sur Simstagram, ok. Soit on aide nos sims à améliorer leur put avec un green virtuel, puis utiliser ses compétences sur le circuit de mini-golf, donc ok on a un mini-golf. Ou alors on peut s'amuser et rester en forme avec un vélo d'intérieur et un nouveau tapis de course qui utilise les dernières technologies d'écran. Franchement ça me fait vraiment penser au Kill Fitness, là je suis vraiment pas convaincue. Équipez votre sim d'un localisateur de créatures du vide. Alors les créatures du vide c'est un peu les Pokémon des Sims, qui permettent de trouver d'adorables extraterrestres numériques dans son quartier. C'est un Pokémon Go en fait, hein. Localisez ces petites créatures usées et prenez-les toutes en photo. Bon, pourquoi pas. L'hologramme portatif et le nouveau meilleur ami de votre sim, personnalisez son look, son nom et sa personnalité, puis amusez-vous avec lui. Ça c'est pas mal pour les Sims qui manquent de traits sociaux et qui ont du mal à avoir de traits sociaux et améliorer leurs compétences sociales. Je pense que ça peut être pas mal. Moi j'aime pas trop cette catégorie, je vous avoue. Ayez l'impression grisante de faire du vélo dans une tempête de neige, non mais c'est nul. On va mettre l'hologramme en premier, le Pokémon Go en deuxième, le golf en troisième, voilà, on va laisser comme ça, de toute façon. Oui, le mini-golf, c'est cool, il y en a pas, c'est vrai, t'as raison, on va le mettre là. Bon, ça peut nous faire balader dans la rue, ça peut être sympa, surtout si les enfants pourront peut-être le faire, donc ça rajoutera un trait pour les enfants, on peut pas trop jouer avec eux, donc on va laisser comme ça. Et enfin, thème travaux manuels. Broder des coussins, des nappes et des serviettes et créer des décorations au point de croix accroché au mur. J'adore de ouf. Maîtriser la compétence tricot, enseignez-la à d'autres sims, créer des pulls, bonnets, gants et des chaussons pour toute la famille. Faites acheter des patrons à vos sims pour tricoter des jouets et animaux en peluche. OMG. OMG. Alors vous savez que moi je sais tricoter, ma mamie m'a appris. Je sais faire des écharpes et tout. J'adore tricoter, c'est trop bien. Mais je tricote plus. Et en vrai, franchement, ça c'est une trop bonne option. Sculpter des bols, vases, théières, tasses, bien plus encore avec la tour de poterie. Oh, j'en avais une quand j'étais petite. Peignez-les avec des motifs et couleurs uniques. Trop cool. Créer des œuvres d'art comestibles composées de fruits et de légumes. Commencez par quelque chose de simple en creusant un saladier à jus de fruits dans une pastèque. Passez par des projets plus ambitieux comme des somptueux centres de table et un magnifique bouquet de fruits sculptés. Alors j'adore tout. Alors autant l'autre, il m'inspirait pas du tout, mais là j'aime tout. Utilisez la station de fabrication de verre pour créer des lampes et des vases colorés, des vitraux. Oh, des décorations, des œuvres d'art. Organisez un gala au musée. Ça va être trop bien ça. Oh mon dieu, un manteau pour citrouille. Ce qu'on va mettre en premier, ça va être tricot, je pense. On va laisser la broderie en deuxième, j'adore ça. Et après, ouais, en vrai, franchement, là, ça me tente comme ça, perso. On va laisser tricot, broderie, poterie, puis la fabrication de verre, et enfin les œuvres d'art comestibles, je pense que ça peut être sympa. Ah bah, c'est le dernier. Fantastique fantôme. Sachant qu'on a déjà eu un kit un peu magie, on a déjà un kit vampire, on a aussi les fantômes et les extraterrestres. Utilisez la table de spiritisme pour communiquer avec les esprits, donc planche Ouija. Devenez amis avec des esprits incontrôlables qui refusent de quitter ce monde, ok. Réaliser leurs objectifs, etc. Bon, soit. Lancez-vous dans la carrière en indépendant voyant. Oh, ça, c'est cool. Genre, on pourrait créer une voyante qu'on appellerait Irma. Utilisez des cartes mystiques pour dire la bonne aventure chez vous. Installer une table au parc pour lire l'avenir des passants. Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est sympa. Gérer un site web pour proposer des séances de voyance en ligne, des horoscopes et des vlogs, comme moi dans la vraie vie, quoi. Gagner un revenu supplémentaire en faisant des séances par téléphone. Et on parle pas de téléphone rose. Caractéristique de terrain maison hantée attire les esprits chez votre sim. Alors, ça existe déjà, ça. C'est bizarre. Ok. Faucher des récompenses en vous lançant dans la carrière en indépendant faucheuse. What the fuck?
bibliothèque. Alléger la charge de travail de la faucheuse en empêchant des décès ou allant chercher des âmes. C'est marrant, ça me fait penser à une quête GTA. Un peu comme quand tu voulais faire le taxi dans GTA. Suivez les principes de la société de la faucheuse et faites respecter les lois sacrées. Bâtissez votre fortune personnelle en laissant des Sims vivre plus longtemps contre des Sims flous. Ah ouais, vraiment la carrière de gros connard fini qui fait payer la vie aux gens quoi. C'est marrant ça, on va le laisser en 3. Ou après on peut être Ghostbusters et parcourir le monde pour capturer des esprits contre rémunération. Améliorez votre matériel, faites la promotion de vos services, gagnez votre vie en pourchassant les morts, consolidez l'essence des fantômes vaincus et invoquez les esprits pour réaliser les moindres désirs de votre Sim. Ça c'est pas mal aussi. Je pense qu'on va faire ça. On va faire ça. On va mettre voyante, faucheuse, Ghostbusters, table de spiritisme et maison hantée parce qu'en vrai ça existe déjà, je comprends pas ce que ça fait là. Ensuite, ah bah là on repart sur tous les thèmes qu'on a fait et on doit les classer. Moi personnellement j'avais bien aimé travaux manuels avec le tricot, la fabrication de verre, etc. Il y a technologie et divertissement, j'ai pas du tout aimé, c'était tout ce qui était tourné vers le sport, ça m'inspirait pas du tout. Après il y a prendre soin de soi que j'avais beaucoup aimé aussi, les blenders à smoothie, l'aspiration vie saine et tout ça, c'est vraiment pas mal. Science et technologie pourquoi pas, mais ça m'avait pas non plus hypé de ouf. Du coup je pense qu'on va faire travaux manuels, prendre soin de soi, fantastique fantôme, science technologie et technologie et divertissement, c'était tout le côté sport. Ça c'est mon choix. Ah, on va répondre. Alors, quel âge avez-vous ? À votre avis, j'ai quel âge ? Quel terme décrit le mieux votre genre ? Moi, je suis une femme, je peux le dire. Et du coup, ça y est, j'ai rendu le sondage. Merci de participer au sondage, créer un kit d'objets. Voilà, je vous fais des bisous, au revoir.